Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Payday. Nous jouons à... avec au fond... Au fond c'est quoi le nom de la mission s'il vous plaît? Le mal ne dort jamais. Ah, le mal ne dort jamais, voilà. Donc je ne dors jamais évidemment. C'est bien connu hein. Ah, j'attendais celle-là. Ah merde. Oh j'ai raté cette mission et déjà un échec. Qu'est-ce que t'as fait encore? J'ai échoué un test de crochetage que même un enfant n'aurait jamais raté quoi. Ta 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 ta. Bon on est en difficulté touristique hein, parce que Fonfon il est niveau 3 genre. Et moi je suis que niveau 23, imaginez-vous, j'ai même pas débloqué tous les flingues. C'est honteux hein. Eh tu vois de dos le... Regarde il me fait peur, il me voit de dos. Faut que je passe à côté de quelqu'un. Vous là, les gens. Voilà, donnez-moi du speed. Du speed épique métal. Oula, pardon. Un garde aussi de l'autre côté. Ouais, un garde aussi. En fait, je fais tout plus vite si je passe à côté des gens. Je fais un speed run de vie. J'ai un boost de vitesse, tu vois, je cours plus vite et tout. Et je crochette plus vite et tout. Je fais tout plus vite. C'est bon, le garde. Les gardes, ils te voient toujours si t'es en civil à côté d'eux? Non, non. D'accord. Regarde, 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 regarde. Je tape le garde là. Zblu! Je viens de lui rentrer dedans. Zblu! Il est aveugle quoi. On s'en fout. Hein. Check out the guard. Il faut vraiment que tu fasses une connerie devant pour qu'il te voit quoi. Une connerie, genre tu mets un masque d'Halloween, le mec il sent mal quoi. Et le mec c'est un peu des chuchotes. Watch the sieve. Guard. Y'a un guard over here. Watch this camera. Je peux souquer sous la caméra? Bonjour, bonjour, bonjour. Ah non. Bonsoir, ah, je peux avoir des problèmes. Bonsoir, Dreamer. Et Shinai. Ah bonsoir Shinai. L'autre Dreamer. Dis bonsoir à YouTube. Bonsoir YouTube. Voilà. YouTube, je te remercie de ta coparticipation et de ta diligence. Hey, je peux utiliser ça? Ça veut dire YouTube. Ouais. Hein? Excusez-moi, je dois m'entretenir avec le caméraman. Tu veux t'entretenir avec le caméraman? Moi je connais la mission, donc si tu veux plutôt t'entretenir avec le caméraman, y'a pas de problème. Bonjour. Bah voilà. Je vais t'ouvrir cette porte, ça me fait plaisir. Ah. YouTube demande pourquoi on peut plus jouer à Wartale. Parce que t'étais censé être là dimanche après-midi, que tu n'étais pas pointé. Ah, excuse, hein. Ouais, tout de suite des excuses. Hein? Tout de suite. Franchement. Hein? Pas comme tout si j'étais un poil malade. Malade? Toi malade? Non, jamais. C'est excès de sport. Jamais. Je pense, hein. Tiens, il reste des munitions, Fonfon. T'es jamais... En fait, ouais. Tes flingues sont jamais pleins, tu peux te servir. Je vous embête. Ah, d'accord. Mange des munitions. Bah, c'est une bonne game. Merci, bisous, bisous. Et t'achètes Payday 3 quand tu veux. Bisous, bisous. Mange des munitions. Ah oui. A plus tard, Fonfon. A partir de maintenant, j'ai plus de problème de caméra. Donc, le jeu. Donc, vu que je n'ai plus aucun problème de caméra, je vais pouvoir me permettre tout le luxe du monde. Genre, activer ça. Ouais. Pour diffuser du jeu. Juste un petit souci, j'ai un civil juste à côté. Ouais, toi tu peux pas sortir, t'es bêtement emprisonné. Faut juste voir qu'il y a une porte ici avec la carte d'accès numéro 1 qui doit être très probablement quelque part ou sur les fesses du garde qui est ici. Et bien voilà, regardez. Ceci est une carte de fesses. Fonfon, j'ai besoin de ton coup de main s'il te plaît. J'ai un flic récalcitrant avec moi. Y'a pas de caméra gros. J'ai toujours un... Y'a pas de caméra! Putain, ils ont... putain, ils ont vu une balle. Bah oui, ils ont vu une balle. Baissez les yeux. Ok. Ah, pareil, t'as vu, on a de quoi attacher des sbires à l'infini. Non! Si, si. Oh, c'est beau ça!
Donc on peut vraiment faire des games 0 kill si on veut. Je peux les prendre en bouclier. Viens à toi. Par contre, moi, ce qui me dégoûte vraiment, c'est la roue pour parler aux gens qui s'affiche sur touche de base pour attacher les mains des gens ou pour interagir avec n'importe quel objet. Ça me gonfle un peu. Mais... Bon, là, c'est je quoi, finis toi, des documents. Bah, c'est F de base. Trouver le coffre, félicitations. Tu peux en profiter pour se faire allonger, faire une sieste tranquille à tous les gens de l'étage. Hein. Y a plus de caméra. Y a plus de garde à cet étage-là. Bah à cet étage-là, s'il y en avait un autre, je crois qu'on l'aurait déjà croisé, non? C'est peut-être possible. C'est possible que le gars s'est dit, ok, un truc. A toujours une amende si on tue un civil. Oui, je suis pute. Bonjour. Ça va être là. Voilà. Viens faire un tour. Alors le système de sécurité, serré, hop, hein. On le tombe, c'est ici. All right. Now disable the switch box's security. The controls are in the power room upstairs. Ok. Et moi, les otages se sont un peu améliorés. Oui. Question de suivre. Oui, oui, oui. Bon, c'était pas très difficile à faire. Ouais, tu m'étonnes. Ah, ça fait. Je sais plus à quoi ça sert ça. J'ai un cadavre qui se coince dans la porte. Voilà. Donc. J'ai un. Guard. Moi j'ai un garde ici dans le couloir. On va très probablement devoir s'en débarrasser aussi. On en a liquidé combien là? Deux. Deux. Ça serait le troisième. Mais je suis partisan de faire du contrôle de foule. Parce qu'il y a quand même des galeries avec des gens partout. Avant. Moi je suis chaud pour visiter un peu. Attends, t'as des escaliers là ou pas? Ok. Non, t'as que les extérieurs. Non, non, la colonne du milieu, c'est un escalier. There's a guard. Ah oui, c'est bon. Ah, t'es fait repérer. Oh, rien ni personne, du civil, ça compte pas. Hey, there's a guard. Tu as un coup de main? Check out the guard. Moi, j'ai besoin de rentrer chez le Dirlo. Attention, le garde revient. Tu gères le garde. Ah, je peux le tuer? Bon, quand il sera assez proche, oui. Tant qu'il est sage, non. Il faut surtout pas qu'il rentre dans le bureau. Ok. Ok, parce que dans le bureau, il y a l'autre garde qui est dehors. Et il peut le voir. Tu sais l'effet boule de neige de un garde à rencontrer un garde. Ouais, c'est bon. Garde est mort. Il était une fois un garde, tout ça, tout ça. On aura plus qu'une radio. Hello, is this thing on? Hello, fucking piece of shit. Oh, 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 now I hear you. Yeah, we're good here. Yeah, I can see that. That's good to hear. Je peux mettre le cadeau dans le bureau ou pas? De préférence, pas dans le bureau. Mais l'idée, c'est de contrôler otages. Tous les civils de cet étage. Donc normalement, il n'y aura plus de problème, monsieur. Tu peux justement rentrer dans les bureaux, contrôler les gens. Pendant que je fais un coffre. Donc il n'y a plus de gardes dans cet étage, plus de gardes. Là en fait il n'y a plus que des gardes devant la banque et derrière la banque. C'est celui que je veux, que je ne veux pas qu'il voit le directeur ou quoi que ce soit. Donc il faut se méfier de celui qui fait le tour par derrière. Pas se faire surprendre bêtement. Mais normalement ça se passe bien. Et sinon je peux. Ouais, je peux faire baisser tout le monde. Oui oui bah mais les gens au sol. Check the sieve. Hey, regarde, tu viens ici là, bonjour. Baisse les yeux, enculé. Voilà. On attrape un comme ça par le callback. J'explique à tous les autres c'est quoi le respect. Ça, c'est voilà. Joli contrôle de foule en forme et avec politesse. Non. Les glissades, je veux pas m'y faire. Tu vas pas t'y faire? Bah alors, non. Arrête d'en faire. C'est pas un choix. Bah si, t'arrêtes pas d'en faire, c'est que c'est un choix.
Ah oui, c'est parce que tu cours, baisse beaucoup trop vite. Mais je cours. Tiens, regarde, dans le jeu en mode bourrin, ici, c'est là que tu vas trouver les trousses à pharmacie, entre autres, hein, dans les toilettes. Oui, mais tu cours et tu t'accroupis, c'est ce qui fait que tu fais ce que tu fais. Ouais, parce que bizarrement, j'y arrive pas. Non, bizarrement, moi, pour le faire, faut que... Moi, je galère, hein, j'y arrive pas. Désactiver le système de sécu. Alors, moi, je veux bien, mais... je l'ai désactivé là-haut, je crois, non? Attends. Câble ici. Bien. Non, c'est pas le... Il y a un truc? C'est pas la porte là-bas, à côté de l'ascenseur? J'aurais dû désactiver un boîtier quelque part. Il y a un boîtier avec un logo de carte d'accès rouge. Là. Ah bah oui, je suis bête. Mais oui. Bah oui. Carte que je suis allé chercher en bas. Non, carte qu'on allait chercher à cet étage. Ah oui, avant que du coup, ouais, caméra 1, caméra 2. Pif paf pouf, pris les mains dans le sac. Oh, les désactivations de sécurité commençaient rapide quand il y a personne qui te casse les noix. Ouais. Voilà. Vive le password. Activer les bons interrupteurs. Oh putain, c'est encore ce truc de Payday 2 là. Alors. Oui, mais pour les enfants. Ah. Alors t'arrives là. C'est celui-là si je dis pas de bêtises. Pas ça. Hein? C'est à l'étage? Oh, attendez. Est-ce que... Je suis trop. Calme-toi, j'allais faire la même. Voilà, les ascenseurs en spirale là, combien de fois je me suis fait avoir. C'était au même endroit, parfait. Oui. Ça s'appelle la patience. Voilà, et donc là, il faut désactiver le blanc barré. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Oh, pooh, ça fait un moment que j'ai pas joué aussi. Le blanc barré, what? Ouais, le panneau sans interdit, blanc. Oui, non, mais j'ai vu. Regarde, suis le boss. Je te montre. C'est ce que je fais. Regarde. Et entre autres, t'as le câblage rouge qui accroche au plafond qui te dit ça va jusque là. Pour trouver la boîte. Donc on ouvre la boîte. Et on désactive juste le blanc. Mais quoi? Juste le blanc. C'est bon pour toi. Alors là, il y a une autre difficulté. C'est qu'on va avoir en face de nous un garde et des civils, mais c'est surtout le garde qui peut nous cramer l'arc. Okay. D'ailleurs, j'aurais jamais dû ouvrir. J'ai ouvert pour rien. C'est ouvert, c'est formidable. Et nous avons une petite loupiote. Access denied. Quoi ? Tu fais ? Ah oui. Il est où le garde ? Où le garde ? Guard. Voilà, en fait quand tu t'approches, tu as ta loupiote qui met en surélévation, en surcolérimétrie, les trucs. Bref, accroupis-toi, dégageons d'ici, ou surveille le ping-le, moi je vais chercher le dirlo. Parce que l'accès, il est deny. Ici, bitch. La pression... Ça me rappelle un peu les coups de téléphone dans la GoBank. Eh, hey, ils ont plutôt une bonne machine à café, hein. Cappuccino, okay, il s'approche. Macchiato, un frappé, un coffee by Vanessa, et un café latte, c'est ça, je suppose. Tout ça pour dire que tu prends juste... Ah, mais attends, ils ont même pas inséré, ces gens, ils ont un... Oh putain, oh non, c'est horrible, les gars. Ils ont même pas un ristretto. Oh, bon, ils ont rien pour se réveiller. Hein. Vraiment, c'est des Américains. Quelle intimité. Ils s'y connaissent rien. Hey, there's a guard. On part pour démolir des trucs, hein. Vraiment. Ah, ça, ils sont bons. Ça. Parce enfin, que moyen. Envie de te dire. Il est derrière le pilier. Hein. Je sais pas de quel côté il va repartir. Je sais pas, hein, le dernier tuyau qui transportait des gaz, je trouve qu'ils l'ont bien fait péter, hein. Oh, on sait pas qui c'est, hein. maintenant, on se demanderait presque si c'est pas les Ukrainiens. Vas-y, pitch. Monte tes yeux. Allez, vas-y, pitch. Il est reparti de l'autre côté. Ouais, toi aussi, tu repars de l'autre côté. Bastards. Inglorious.
Ouais, reste là. Je l'arrange ici au cas où on en aurait besoin. Hop, j'ai stationné le monsieur. Ok, piratage. Piratage, ouais. Et ça a donné des chiffres. C'est quoi les chiffres? Ah. Quoi les chiffres? C'est quoi les chiffres? Alors. 6807. Ça peut être que 6612 parce que c'est un truc qui a 3 chiffres. Donc c'est 7012 dans notre cas. Parce que rappelle-toi, on a que 3 touches plus le validé qui est dégueu. Donc 66 112. 12. Oui, voilà. Alors là, il faut désactiver les merdes sur les paquets très vite. Ah oui, oui, oui. Oui, j'ai vu. Mais... Ah putain, je suis mauvais. Le problème, c'est que j'ai pas cliqué. Ah, on a perdu un à cause de moi. Désolé. Ah, mais moi, le menu qui s'ouvre au milieu de ma gueule. Y'en a pas ailleurs si bon. Ah, par contre, y'a ça que je peux ouvrir aussi. Oh, bien. Ah, mais assez. Il y avait des petits documents qui traînaient ici. Je peux crocheter le reste? Oh! M'excusera, hein, je commence le crocheting. Hein. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est quand je réussis des crochetages, j'enchaîne. J'en ai un sur le dos, hein, si jamais. Parce que tu peux pas. Tu les réussis pas tous? T'as un système d'échec? Comment ça? Ah, le crochetage, t'as jamais essayé? Non. Ah, ok. C'est une roue qui tourne. Faut valider. Voilà, et ça ouvre. Et ça fait bonne idée quand c'est en blanc. Non, c'est dans la partie haute, ouais. Ah merde, loupé. Voilà, c'est tout. Ah oui, dans le temps imparti. Ouais. Bon, par rotation, hein. Sinon, après, ça crochète tout doucement. Si tu le fais pas. C'est-à-dire, tu peux ne rien faire. Bah, ça va, nickel. T'as un bonus si, si c'est toi qui les récupères? J'ai pas de bonus, non. Y'a presque le même coup de scie en fait maintenant. Oh, bah, ça sert à rien là. Bah oui, c'est ce que je vois, ça va assez vite. Et encore, t'as pas le perk, hein. Tu vas pas aussi vite que moi, hein, je m'entends. Ouais, ouais. Bien moins chiant que Fallout. Je m'empêche de crocheter, hein. C'est moi qui crochète le plus vite quand même. C'est bon. Oh. Ah, bah voilà, un petit peu de cash. Oh merde! Au fond, fais pas le con. Au fond, fais pas le con. Guard. Tranquille, tranquille. Il nous reste quoi, les deux sacs qui sont là à évacuer? Ah bah non, on a tout à évacuer, ok, on a rien pris. Heureusement que lancer les cas, les sacs, c'est juste les poser. Hein. Je sais même pas où est-ce qu'il faut aller d'ailleurs. Bah apparemment dehors, ça va être drôle. On va faire une étape, hein. Tu l'as marqué le garde? Ouais, c'est bon, il est parti. Bah... Hop, hop, hop. Je pose ça juste à côté de l'imprimante, hein, pour l'instant. Hein. Oui, oui. On verra plus tard. Hein. Et si on met une caméra là de notre côté, il va la voir? La micro-caméra. Attention, il arrive. Guard over there. Attention, il s'est retourné. Ah merde! Ah! Il nous restait un bip, je crois. Qu'est-ce qu'il a vu? Ouais, ouais, bah, il reste un bip. Je pense le coffre ouvert, hein. Moi je sors. Bon, on est tranquille. Tout va bien. Il va ressortir, il arrête pas d'entendre galoper partout le mec. Par contre je vais refermer la porte extérieure. Hein. Il vient par là, il voit les sacs ou pas? Ah bah il va peut-être les voir. Hein. S'il te voit pas peut-être tout va bien Fonfon. Là ça va être tendu. Viens vers toi, vers toi, vers toi. C'était drôle de le voir. T'as vu, tu peux te déplacer aussi maintenant avec les gars. No, it was nothing.
Just this chill going down my spine. It's like I'm being watched or something. Yeah, it sounds suspicious if I'm honest. Hop. Oh, tu fais des dingues. Ah, si tu veux, faut m'en déroche, hein. Bon, du coup, les gardes sont un peu plus, je trouve, réalistes qu'avant. Bon, même si moi, je me serais arrêté au sac de banque et à la salle de coffre ouverte, hein. Je pense que j'aurais été garde professionnel à temps plein. Attends. Tiens, regarde, prends le dernier sac, Fofon. Moi, je vais prendre celui qui est plein de tâches, hein. Moi, si je peux récupérer un billet de 100$ là-dedans, je suis content. Ok. Alors, Tiens, t'as un fumigène qui te sort dessus. Bah oui, c'est ça. Du coup, je pense qu'on va passer par là. On va voir un peu ce que nous proposent les étages. Je suis en train de me demander. Vas-y, je vais voir toi. Je vais voir tout en haut. C'est où ? On doit les ramener juste devant la banque. Idéalement, il faudrait passer par le bureau du Dirlo. Par le bureau ouais. du Dirlo. Est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir quelque chose là, à cet endroit-là ? Il y a un portillon, non ? Oui, c'est ça. Il y a un truc dans la rue en bas. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il faudra passer par le bureau du Dirlo. Mais ouais. Moi, du coup, je vais te check là, vu que j'ai le sac dégueulasse sur le dos, je vais check la position du garde qui passe dans le coin. Parce que du coup il va falloir le berner et il est là. Donc tu peux en profiter pour aller ouvrir le bureau du Dirlo. Genre une fenêtre. J'y vais. Je suis en Pink Machine. Appelle-moi Pink Machine. Bon, sinon je pourrais lui mettre la cartouche de sa life. Hein. Oh la cartouche! Bébé. Je peux y poser devant le portail ou ça craint? Non, ça craint, il va venir jusque devant le portail. Faut que tu ouvres le portail et que tu ailles livrer ton colis. Il est en train de faire demi-tour, il arrive au coin de la rue là. Il arrive au coin, Fonfon. Ah putain, civil. Va te cacher. Oh putain. Cache-toi, fais pas le malin. Merde. Je le ping. Faut pas qu'il te voit, arrête de courir. Tranquille l'Argentin, tranquille. Ah, c'est une ligne droite. Je peux pas faire une diversion, genre une balle là, vite fait. Ah, il en a rien à carrer. Oula, je fais quoi? T'es très bien là où t'es. Par contre, ton sac, il est pas dedans. Hein. Si, mon sac, il est dedans. Ah bon? Ouais, c'est un... J'ai balancé le sac de munitions sans vouloir. Ah! T'as paniqué, t'as posé des munitions quoi. Dans le doute, le mec il a paniqué, il a sorti 800 grenades. Fais attends, laisse-moi paniquer tranquille. Est-ce que je balance une incendiaire, un gaz toxique? Calme-toi, Fonfon. C'est bon, il fait demi-tour. Tiens, regarde, un sac d'argent dégueulasse, ça me fait plaisir. Bah, il voit le sac. Ah bon? Oh merde. Ouais, il a vu le sac. Bon, bah, on est embêté. Est-ce qu'il fait un call? Ouais, il fait un call. Bon, on a perdu. Sad. Bon, maintenant tu connais la mission. T'as pas de CM? Ah si, j'en ai un là. Voilà. Par contre, je sais pas comment on l'active. Hein. Bah, trop tard. Il y a l'appel. Je sais pas comment on l'active. Bon, on peut la finir quand même. On va essayer. Vas-y, balance. Ah, bon bah je suis mort. Quoi? Fait. J'ai essayé de passer par un plafond pour voir si ça se passait bien. Gentiment, hein. J'ai pas forcé. Oh, et le jeu m'a dit va, non. C'est fluide la transition par les fenêtres là. C'est fluide ? Oh, excellent. Un petit coup de main pour les sacs peut-être. Bah j'arrive. Thanks. Tac. Je te passe un queue fenêtre. Il y a un type qui voit des gens. Il y a un genre qui voit des types. Ah oui, il va d'abord envoyer un garde. Vérifier la situation. Ah non. Allez. Envoie les sacs. Ouais, c'est ce que je te fais.
t'envoie du sac par la fenêtre là. Ah putain, vite. Putain. Le canon cire. J'ai arrivé dessus. Par contre, il se tire avec mon sac de nuit. Ah, c'est pas pratique ça. Pas très pratique. Bon, allez, tu les re-rentres, tu les ressors, on fait quoi? Moi, je pense que dehors, c'est plus simple. J'en garde un sur le dos. On était à 93%. Ok, oui, bah dans ce cas, aide-moi à sortir les derniers. Ta mère, là, je porte déjà un sac. Un otage, là. J'ai le dernier. Ok, c'est là. Il est au point de rendez-vous. Merde. On échange un otage? On n'a pas trop le temps, mais ouais, si tu veux. On n'a pas le temps. Ça te fait rien gagner, un otage. Sérieux? Ouais, ça te sert que si t'as vraiment un gars qui fait que ça, quoi. Genre, t'as regroupé tous les otages avant le déclenchement de l'alarme. Et le gars fait vraiment que ça pour retarder les forces de l'ordre, mais ça marche moyen, bof, pas terrible, quoi. Ah mais attends, ah non, c'est le point de rendez-vous, ah ça ouais, c'est l'extraction. Putain, c'est le point de RDV. Faut que j'aille bricoler un truc ou deux. Tu peux commencer à ramener les sacs, hein. Ok, ok. Bricole un truc ou deux. Je les ramène là. Voilà. J'ai l'histoire de plomb. Y'a pas bonjour, des la police. Aïe, la police me tire dessus, ils sont mal aimables. Aïe, ah ouille. Y'a pas d'autre... Eh merde. Trop tard. Voilà, j'ai fait tomber les défenses de la police nationale. Let's go groupir. Cherf, il a dû groupir. Ah, le premier flic qui apparaît, c'est un ninja de gueudin de l'espace qui me tombe dessus. Hey, il a une meilleure protection qu'avant lui. Oh putain! Dans la ruelle là. Tu veux que je vienne? Oula oula! On a un plus gros problème ici. Ah, un bulldo? Quoi? Ouais. Putain, c'est quoi? Un bulldo, juste derrière, juste à côté de toi, bon. D'accord. Ah, ça c'est une grande lame. Ouais. Allez, ça va? Et deux. Oh. Couvrez le bif! Je vais chercher le reste. Je vais pas tenir longtemps. J'ai des soldats vers le... J'ai des flics vers le van. Je vais déployer une arme. Ah. Est-ce que j'en ai un qui m'a suivi? Ah ouais, mais c'est Wolf avec un sac sur le dos. Chier, Wolf. J'ai battu ce putain de sniper. Bon, on va se régler au pistolet à l'ancienne, les gars, parce que. Bon. Il est un peu mou du genou, mon pistolet, mais il est pas. Ah, il me semblait bien que c'était une tête, ça. Je vais chercher le dernier sac. Reviens. Vas-y, vas-y. N'hésite pas à call Wolf si jamais tu peux. Aïe. Il est où celui-là? Ouais, parce qu'il a un sac sur lui. Ok. Oh, je suis en train de crever. Ah, ça va être tendu là. Ah, ça y est. Ouh, y'a un truc qui m'a pété à la gueule, je sais pas c'est quoi. Je vais garder Wolf avec moi parce que je suis pas bien. Bah, garde-le, ouais, mais Oh, j'ai un bulldo sur extraction. Bah, nettoie-le, hein, comme j'ai fait avec le mien. Quel bon courage. C'est comme avant, là. Y'a plus de balles. Ok, va falloir nettoyer propre. Propre. Oh merde. Propre.
Bon d'ailleurs. Nickel. Blanchard panthère. Chargement. Ouais, pas de sniper. Ah c'est pas celui-là. Tireur d'élite. Ils ont relevé les bolards, faut que. Tireur d'élite nettoyé. Je trouve le bon compteur. Ok, un Knarfang en progression. Ah l'arme overkill, bien. Ouais, j'en ai posé une normalement. J'en ai fait venir une et j'ai remis des plaques d'armure là, parce que moi j'ai plus de vie donc j'ai remis de l'armure. Armure, j'ai pu en récupérer une vers le van. Ok. Est-ce qu'il y a du soin vers le van ou pas du tout? Négatif. Non, c'est de l'armure. Ok, pas de soucis. Blâne-toi parce que t'as un trou dans l'armure. T'as un trou toi, protège-toi encore. Voilà. Point de non-retour. Ah, allez, faut venir chercher le matos, hein. Ah, bah, j'arrive. Allez, faut prendre le stuf. Il reste un sac à prendre. Et décharger Wolf. Son sac Wolf, je sais pas. Tu l'as récupéré? Non. Il est encore? Il a fait quoi? Je sais pas moi. Peut-être il l'a plus. Si. T'en as un sur le dos, con. Ah. Jette-le. Mais bon, on peut se tirer, monsieur. Ouais. Go. Let's strong. Oh, il allait prendre une balle lui. Au moins le bruit du clocker il a pas changé. Non ça a pas changé. Allez juste... Ah j'ai pas vu mais... j'ai quand même fait un succès. Ah si on peut plus voir le... J'ai eu en ayant ouvert tous les coffres. Ouais c'est ça. Ah, c'est marrant ça m'a tout figé. C'est de la merde. Bon c'est pas grave. Bon j'ai raté le... C'est ça qui cogne depuis tout à l'heure. Ouais, je sais pas, j'ai un truc qui colle, je crois qu'on trouve métal. Je crois que c'est mon son. Alors, Arsenal. Mike. J'étais. Ah. L'Arsenal. Les gars, il est venu que pour oh, ça. Oh, Rainfield. Bon, voilà, c'était pas très stealthy, mais c'était la difficulté de base. Je vous remercie, c'était Knarfang et Fofon sur Code d'habitude Gaming et je pense qu'on vous dit à la prochaine. À bientôt. Ciao.